Universboucherie.com vous présente la découpe des morceaux d'un agneau. La culotte. Le coxal va être dégagé au niveau du cartilage. Une coupe franche va séparer les deux jambes. Le coxal a été séparé. Les vertèbres sacrées doivent être dégagées. Pour ce film, les vertèbres sacrées restent en un seul tenant sur le giclo de droite. Juste après, vous pouvez voir que les vertèbres sacrées sont fendues à la feuille et après désossées. Les vertèbres sacrées sont dégagées. Le coxal va être dégagé seul. L'araignée peut être retirée ou glissée à l'intérieur. Cette présentation, les sacrés et le coxal est retiré d'un seul tenant. Plusieurs méthodes de désossage sont possibles. Des possibilités avec le gigot. La selle est dégagée, peut être vendue selle avec os ou ficelée. La souris est dégagée. Cette présentation vous montre les côtes gigot avec os. Un traçage au couteau est fait. Une découpe à la scie. Par la suite, côte gigot, la souris est faite côte gigot et la selle. Le gigot peut être aussi désossé. Le fémur est coulé. Les deux têtes sont dégagées. L'os va être coulé. La rotule est dégagée. Le gigot peut être vendu entièrement désossé ou alors faire des côtes gigot sans os. Les côtes filets. La première présentation, les côtes filets sont doubles. Les peaux sont dégagées. La peau du dessus va être elle-même dégagée. Un traçage en biais est effectué pour retirer cette peau. Les planchers sont roulés. Présentation de côte filet double. Un traçage au couteau vient couper la viande. La feuille vient prendre les os. Découpe des côtes filet double. Présentation des côtes filets. Les côtes filets peuvent être vendues simples. Le carré va être fendu. Toujours pareil, les peaux sont dégagées. Côtes filets simples. Les côtes filets peuvent être découpées de deux manières, avec la peau épineuse horizontalement ou verticalement. Présentation verticalement. Découpe les côtes filets avec la poplise verticalement. Découpe les côtes filets avec la poplise horizontalement. Deux techniques sont possibles. Les côtes. Présentation des côtes découvertes, côte seconde et côte première. Les côtes découvertes sont tracées.
les côtes secondes et les côtes premières. Un traçage plutôt est effectué. Une découpe à la taille. Bien prendre les deux, les côtes découvertes. Les côtes secondes et les côtes premières. Présentation des côtes découvertes, côtes secondes et côtes premières. Présentation de l'épaule d'agneau. Le dessus de palette est dégagé pour enlever la palette. L'épaule sera vendue en épaule semi-désossée. L'épaule peut être désossée entièrement et vendue en rôti. L'épaule est dégraissée. Les poux sont retirés. Découpe du collier d'agneau. Le collier d'agneau est entier. Découpe à la feuille. Découpe d'un demi-collier. Le collier a été coupé en deux. Présentation du collier. À votre gauche, collier entier, à votre droite, collier. La poitrine. La poitrine peut être vendue entière ou en morceaux. Là, la poitrine est découpée en morceaux.